Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transportiver. Alors aujourd'hui, alors vous voyez que j'ai ajouté une nouvelle ville, Saint-Paul-sur-Ternoise. Parce que j'ai vu qu'il y avait une ligne, alors normalement ici il y a le Touquet tout ça. Mais nous on avait déjà Boulogne-sur-Mer donc on n'a pas pu faire le Touquet. Mais normalement ici vous avez le Touquet. Et normalement vous avez une ligne qui part du Touquet, qui fait Saint-Paul-sur-Ternoise et qui finit à Arras. Enfin qui passe à Arras. Donc possiblement on pourrait faire. Et après j'ai vu qu'il y a une ligne qui montait vers le nord, j'ai pas trop regardé jusqu'où elle allait. Mais ça remonte sur l'île, ça peut être. Ouais, non, après il y a là, donc c'est pas très intéressant. Mais vous voyez que je continue à regarder un petit peu sur. Genre, c'est un site en fait de géolocalisation des trains, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que vous connaissez, hein. Carto Graou, voilà. Carto Graou. Et dessus, vous avez toutes les voies ferrées en fait, du coup, et donc c'est super pratique. Mais avant de faire cette voie ferrée là. On va doubler la ligne qui va jusqu'à Laon au départ d'Amiens parce que bon, ça continue à être de la folie. Hein. Ça continue à être de la folie donc on va partir d'ici. On va commencer à partir de là à doubler. En gros, cette voie là, hop. On va peut-être supprimer du coup pour l'instant on va supprimer ça. Voilà. Et on va mettre à partir de là. Alors pourquoi je peux pas. Voilà. Parfait. Donc là normalement ça permet d'aller partout. Ouais normalement ça va partout. Et donc là on va doubler ici. On double, on passe là si on peut, ouais. On fera sûrement on rectifiera après, on pourra faire venir cette branche là ici et après refaire un croisement. Mais sachant que derrière on a directement le début de la voie, ok. On supprime ce signal là. On met en pause, j'ai mis clic. On va même rectifier directement tous les... Pour que ça puisse continuer à circuler, on va d'ailleurs tout de suite rectifier tout ça. Donc cette voie là. Ah bah voilà on va faire ça comme ça. Juste peut-être un peu plus comme ça. Au maximum on va enlever le signal qui est là. Et on va essayer de tirer le... De tirer l'aiguille au plus loin. Pour ralentir le moins possible. Hop voilà. Et donc là, du coup, on a cette aiguille-là. Ça permet de passer des deux côtés. Et elle, on va faire une deuxième aiguille comme ça. Alors, ça va être un peu serré, mais au moins, voilà. Parfait. Et ça permet de ne pas mettre une TJD là. Ça sera un peu serré pour une TJD, donc c'est pas mal. Ok, là, on est bon. On peut mettre des signaux, du coup. Signalisation. À sens unique, oui. Hop, voilà. Et pour l'instant, pas à sens unique. Ici. Et on va le mettre dans l'autre sens, du coup. Voilà. Pour pas gêner. Et on peut remettre la circulation en marche. Normalement, ça devrait marcher. Ah oui, non, j'ai... Oui, d'accord. Du coup, il n'y a pas de signaux là. On va lui dire en arrivant sur. En arrivant ici à Amiens, du coup. En revenant à Amiens, donc après Arras, tu vas passer par le signal qui est là. Voilà. Et comme ça, tu pars directement sur la bonne voie. Et c'est bon. Et en plus, voilà, du coup, il y a son cake qui est là. C'est parfait. On remet le jeu en marche. Et normalement, tout devrait fonctionner à merveille. On place la deuxième voie ici. On va continuer le plaçage de la deuxième voie. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, le jeu est chiant avec ça. Le jeu est très chiant avec ça. Quand tu peux vraiment... N'importe où soit le signal, tu peux pas placer deux voies. Tu peux pas placer une deuxième voie juste à côté. On va remettre une signalisation ici. Hop, voilà.
Donc maintenant on va continuer. On voit que le train arrive, donc on va le laisser passer. Après on va vite supprimer derrière lui pour faire le passage dans la gare. Ouais non, on va mettre en pause parce que là il va y avoir une inversion de quai. Il faut qu'on fasse la gare aussi. Oui non, c'est vrai, il faut qu'on fasse la gare aussi. Donc hop, configurer une voie avec des rails. Des rails, des rails. Comme ceci. Hop, hop. Alors je peux pas encore savoir si ça vous a plu là, la nouvelle lock. Parce que bah, je tourne des épisodes en avance. Juste parce que je vous rappelle que je vais bientôt être en cours sur Salway. Et pour pas vous priver d'épisodes de Salway, pour que vous puissiez avoir des épisodes malgré le fait que je sois en course. Je vous tourne des épisodes en avance. Je vous tourne pas mal, j'essaie de vous retourner à peu près 20 épisodes d'avance. Ça va être très compliqué hein. Là, en faisant le calcul dans ma tête, ça va être très compliqué. Mais je vais tout faire pour que vous puissiez continuer à avoir vos épisodes de Transportiveur sans problème. Hop là. Voilà, c'est parfait. Donc on a un souterrain et tout est nickel. On va placer la voie. Et ça, c'est la seule gare qu'il y avait à refaire en fait. Parce qu'après les autres gares, c'est déjà de la gare à deux voies. Donc c'est cool. Hop. Et hop. Ok. On fait la deuxième voie. Par ici. Ah, j'ai pas regardé si on avait les PN français. Ça serait pas mal qu'on ait les PN français. Ça va pouvoir commencer à mettre des petites maisons de garde derrière et tout. Comme on avait fait sur la précédente. Allez, voilà. On va regarder. Parce que bon, des PN, enfin des maisons de garde barrière en mode français, sans avoir les maisons de garde barrière français, c'est pas très intéressant quoi. Enfin, des maisons de garde barrière français, pardon, sans avoir les PN français, c'est pas très intéressant. Ça rend moins bien. Hop. Voilà, le passage ici à double voie. Et donc du coup là ça pourrait vraiment être non. Non, j'étais en train de me dire ça pourrait être vraiment un raccourci pour certaines liaisons. Mais non non, bah non, si on veut aller à Beauvais, non non. Beauvais, il faut pas que j'amène de la nourriture par là. Sinon faut passer par la voie unique et j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire passer du fret par voie unique. C'est trop complexe. Du coup j'en ai tout, j'en étais là. Fret par voie unique, c'est beaucoup trop chiant à faire passer. Donc on fera pas. Hop. Alors là il y a un gros ralentissement du coup. Et on arrive à la gare ici. Alors dans l'idée on va supprimer ça. On va supprimer les signaux. On supprime ça. On supprime ça. Et on supprime ça. Ok. On va se rapprocher ici. Pour être à égalité. L. Alors du coup ça fera des courbes un peu serrées. Mais bon, on n'a pas trop le choix. 80. Ouais ça va encore. 77, 80. Hop. Ok. Et donc là, la deuxième voie. Voilà, parfait. Ok. Et donc maintenant on peut placer les signaux. Signalisation. Là c'est. Bon, on peut mettre du sens unique, oui. Hop. Celui-là. Hop, sens unique, oui. Sens unique, oui. Hop, on va remettre d'autres signaux. Parce que là, ouais, il va y avoir deux trains minimum qui vont circuler. Hein. Deux trains minimum. Au maximum, il pourrait y avoir plus. Si la ligne continue à être aussi utilisée. Alors, hop. Là la ligne.
Normalement c'est bon, assez bien mis des deux côtés, parfait. On va juste regarder. Eh non, pas parfait du tout en fait. Elle va faire un tour sur la petite ceinture. Bah il faut juste à lent à âme plutôt. À âme. Attends, ça va dans quel sens? 2, 3. Donc au sens aller ça va. Mais au sens retour donc en 5, il faut juste la faire passer voie numéro 2. Voilà, et normalement, c'est bon, c'est réglé. Ok, on va attendre que le train soit parti. Pour pouvoir refaire la signalisation, le reste de la signalisation du coup. Ah merde, il y en a un autre. Ah bah il y a lui, ouais. Il y a lui qui passe. Et plus tard ça gênera plus, mais pour l'instant ça gêne encore un peu. Même peut-être dès qu'il sera passé, on va mettre la signalisation dans le bon sens. Ouais, on accélère un tout petit peu, ça va faire un petit peu laguer, mais... Il y a déjà des petits lags en vrai. Je comprends pas. Il va sûrement falloir que je fasse un truc sur ma carte graphique, je pense. Hop. Alors, on va mettre en pause. Peut-être qu'il y a une mise à jour à faire, je sais pas. Hop. On met un signal ici. Et sinon, on est bon. Ok. On peut mettre le jeu en marche et on va du coup acheter un deuxième chouchou. Acheter le deuxième chouchou, c'est parfait. Et il est sorti d'où du coup? On est où là? Ah oui, il sort de... Ok. Non, c'est trop bien. Il sort de la zone fret. Non, ça va, c'est nickel. Donc ouais, là, comme ça au moins ça va régler un petit peu le problème. La ligne de Ducato, enfin de Creil vers la frontière belge là, elle est bien, 81 personnes, ok. C'est pas violent, mais c'est pas mal. À Compiègne, ça a l'air d'aller. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Creil. Vers le Cato, 20 personnes. Et ouais, ok, c'est cool. Non, c'est cool en vrai. Ça fonctionne pas trop mal. Oula, il y a du monde là. Ça va d'où à où là? Ça va d'où à où ce. Crépy en Valois. Ah, Crépy en Valois, Pontoise. Attends. On m'a dit qu'il y avait un Cergy. Un Cergy Creil. Alors en vrai, en train là, ça aurait pas vraiment un grand intérêt, je pense. Parce que c'est très proche, mais je pense que, ouais, un bus là, ça va devenir nécessaire, je pense. Ouais, attends, mais ça vient de. Ouais, non, ça vient de Paris. On va regarder un peu les histoires de transport. Hop. Non, c'est pas ça. C'est où déjà pour voir le trafic? Voilà. Oh oui, oh oui, 56, 56. 45. Oh ouais, non, mais ça circule trop entre ces lignes. Hein. Soison, Lens, Soison. Reims. Ah ouais, non, mais il y a de la circulation forte entre les villes. Il hein. y a pas mal de circulation. Et là, les voix, mais comment... Ça tourne à plein régime, hein. Ça tourne à plein régime. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On va regarder si notre système, là, pour faire plus de... Si le pétrole, ça a fonctionné, parce qu'on n'a pas regardé vraiment de l'épisode, là. Pour l'instant, on n'a pas encore regardé. Alors, lui, ouais, c'est bon. Et là, bah, ça se remplit petit à petit. Ici, on peut mettre beaucoup plus de camions. On transporte que 9%, d'accord, ok. On va rajouter beaucoup de camions. Donc dans les lignes visibles, on a pétrole Dunkerque. On peut doubler, hein. Clairement on peut doubler. Voilà, 20 véhicules. Pour faire fonctionner ça à plein régime. Amener beaucoup de pétrole ici et donc du coup avoir encore un peu plus de pétrole
là-bas et donc produire un peu plus de pétrole raffiné. Ouais, on voit qu'on est pas mal niveau pétrole raffiné là. Pétrole raffiné 150, ok. C'est pas mal. Et le train. Pétrole Dunkerque 2, ok. On va regarder si on a un train de pétrole raffiné pas loin là. Hop, ok. Non, toujours pas. Là, on a un train qui est plein de pétrole. Ah non, qui est même pas plein. Ah ouais. Il est pas plein. Et l'autre train, je sais pas où est-ce qu'il est. Normalement, il y en a deux qui circulent. Oh oui, par contre, plastique, on est plein. On est plein de plastique. 179 de plastique. Alors, on a un train qui arrive pour venir en charge, et par contre, donc... donc, ouais, non, pas d'intérêt à mettre un deuxième train, par contre. Plastique. Enfin, du pétrole raffiné, on en a un là, qui est pas plein. Ah, et le deuxième, il est là. Ok. Donc, ouais, non, pas encore assez pour faire un deuxième train. On en a un peu trop là, mais pas encore assez pour faire un deuxième train. D'ailleurs, y a plus de pétrole en stock là, donc... j'hésite à mettre directement un... Peut-être ramener encore un deuxième train ici, là. Un deuxième train, un troisième train ici. Ouais, on va mettre un autre train encore ici. Donc sur ligne visible, pétrole Dunkerque. Un troisième train. Voilà. Et d'ailleurs, attends, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai mis un autre train sur la ligne que j'ai créée là? Enfin, j'ai mis une double voie, mais je sais même pas si j'ai mis un deuxième train. Tête en l'air. Et puis j'ai pas changé le train, oui, d'ailleurs. Oui, j'ai bien mis deux trains, sauf que je les ai pas changés. Je suis un boulet. Hop. Les locks, on les change. Et bien évidemment... Vous savez ce que je vais faire. Voilà. Modifié pour 3 millions. Voilà. Ah, c'est quand même, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup mieux. Et donc du coup là, ça devrait... Oh, ça va tourner. Par contre là, ouais, on est plein niveau. Là aussi, on est presque plein. Ouais, ça tourne à plein régime, hein, ça tourne à plein régime. 236 personnes, voilà. Ça va régler un peu les problèmes. Ça va régler un petit peu les problèmes et ça devrait aller. Ah, c'est beau. Regardez la gare d'Amiens là avec tout le monde qui est à Amiens. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Hein. Le train là, je suis sûr, il est archi rentable. Il fait plus d'un million. Voilà, il est rechargé à 170. Direction Rouen. Oh là là. Et oui, d'ailleurs, oui, est-ce que j'ai mis un deuxième train sur cette ligne-là aussi? Oui, j'ai mis deux trains, parfait. J'ai mis deux trains, donc c'est parfait. Parce que là, on voit que c'est bien rempli aussi. 270 personnes pour Amiens. On va suivre le dernier passage, là, parce que... Combien il va nous rapporter? 253 000. Et il y a... Et voilà, et là, on va décharger les 270, les 170 personnes. On va faire un petit voyage... On va voir si on peut se mettre à l'avant de la lock. Oh oui, en plus cette lock, elle permet d'être à l'avant. Compagnie des chemins de fer du Nord. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah, juste pour ce bruit. Juste pour ce bruit. En plus, on n'a pas vu encore ce que ça faisait l'arrivée dans la gare depuis une cam embarquée. Depuis un petit cab ride. Donc on se fait un petit cab ride... Oh là là. Vous entendez le bruit? Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, quand je passe à côté d'un touristique, je suis obligé d'aller voir. S'il est ouvert, je suis obligé d'aller voir. Je suis obligé. Surtout si c'est du train à vapeur. Alors si c'est du diesel aussi, hein, j'aime bien le bruit des diesel aussi. Là on va me dire. Ouais, c'est pas écolo, c'est pas bien et tout. Oui, bah le vapeur non plus, hein. Le vapeur non plus, c'est pas écolo, c'est pas bien. Mais le bruit est tellement bon aussi que bon, voilà quoi.
Hop, et on arrive dans la gare. Et là, je veux voir combien on va se faire. Combien on va se faire de thunes. Parce que 170 personnes qui descendent, ça va faire mal. Hein. Ça va faire très mal. Wouah, 2 millions. Oh, 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 ça, ça commence à être... Là, on commence à avoir des trucs intéressants. Là, on a un truc intéressant pour l'électrique. On commence à avoir des trucs intéressants pour l'électrique. Enfin. Ces locks-là, elles sont bien pour l'électrique. On verra plus tard. On verra plus tard. J'aimerais bien tenter de faire un tout petit peu de déco. Alors. Ou moderniser les routes. On va commencer à moderniser les routes aussi. Parce que pour l'instant, on a encore des vieilles routes. Alors, construction impossible. Hop là. Merde. Ah, vous entendez ce bruit? Oh là là, oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. Et donc, on va commencer à faire un peu de modernisation de route. Hop, ça c'est modernisé déjà. Ça c'est pas encore modernisé. Hop. Ouais, le jeu reconstruira parce que là j'ai un petit peu... J'ai un peu cassé les rues, j'ai mis de la route à la place. Hop, et donc là ça peut prendre du temps, ça va prendre du temps. On va faire on en fera un petit peu de temps en temps. En fin d'épisode comme ça. Parce que ça va prendre beaucoup de temps, donc quand on se fera des petites sessions comme ça au fur et à mesure de modernisation des routes. Hop. Hop. Cette route là, en plus ça va aider les camions, ça va être bien. Ok, parfait. La route vers Soissons. Là, ok. Là c'est vers Paris. Là on est à Reims je crois. Ouais on est à Reims. Pente trop incliné. Ah oh, fait chier. Bon. Suppression de la route. Hop. Et on va la refaire nous mêmes. Ou alors attends. On va supprimer ça. Parce qu'en plus ça faisait des places sur les PN. Bim. On va passer par là. Ah, on va profiter des... Merde. On profite des... Hop. Alors, est-ce qu'on peut passer... Ah, si, on peut passer comme ça. Ok. Hop. Un petit pont. Alors vous savez que dans la vraie vie j'aime pas les ponts hein. J'aime vraiment pas les ponts au-dessus des voies. Parce que bah, ça permet pas d'avoir d'être averti quand un train arrive. Mais dans le jeu c'est quand même bien pratique. Dans le jeu c'est quand même bien pratique. Hop là. Ok.
Et voilà. Et on détruit ça, et c'est parfait. Ok, nickel. Et oui, il y a encore la route là, enfin le... la desserte de l'usine. Bah la desserte de l'usine, est-ce qu'on a un petit plat par là? Bah en vrai, hop, on va prendre une petite rue comme ça. On va essayer de passer un plat par là. Ouais, ça va encore ici, ça va encore. Voilà. Et au moins comme ça on rejoint bien. Et voilà. C'est nickel, ok. on va continuer la modernisation, hein. On va continuer à faire des nouvelles routes. Même si ça nous coûte de l'argent, mais après une fois que c'est fait, là c'est le dernier stade des routes, hein. On peut pas faire des routes plus modernes que ça, que, donc ça va. Hop. La jonction ici. Vers Paris, c'est bon. Oh putain, ça rentre fusionné là. Oh là là, ça va faire de la grosse mégalopole. Hein. Je sens qu'ils vont faire. Le jeu va me faire une grosse mégalopole. Mais bien comme il faut. Et là, on va faire des petites routes. Vers les petites industries. Même si plus tard, il y aura peut-être des villes par là aussi. Vu que par là, il y a des villes hein, en vrai. Hein, mais je me suis juste pas encore occupé. Quand je vous dis que ce let's play pourrait être plus long que le précédent. Vraiment. Là, je me rends compte que le let's play pourrait être plus long que le précédent. Parce qu'en vrai, il y a plein de choses à faire, quoi. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Alors, on va essayer de pas trop détruire l'entrée de Paris. Donc là, on est bon. Là c'est bon, on va aller par là. Alors la sauvegarde auto. Hop, ok. Ici, on a fait. Faut regarder où est-ce qu'il y a du rouge. Hein. Tout simplement, faut regarder où est-ce qu'il y a du rouge. Bon, on va repartir par là. On va faire la route de la mer, là. Le long de la mer. Hop. Clac. Alors, non, là, ça détruirait, donc non. Bim, entre les deux villes. Voilà. Clac. Merde, j'ai détruit deux trucs, bon c'est pas très grave. Et voilà, et donc du coup là ça fonctionne, hein. Là ça produit et ça part la production part, quoi. Voilà, ça part à 98%. 98% de la production est envoyée, donc c'est parfait. Là on va faire de la petite route vu qu'il n'y a pas de ville. Voilà. Ça coûte un peu moins cher et ça aide quand même un petit peu. Et surtout que là en fait ça aide aussi mes camions à circuler, quoi. Donc c'est intéressant. Hop. Ok. Ensuite, on a cette route là. Hop. Et du coup, alors on va passer un petit passage en petite route, je pense. Voilà. Et à partir de là, repasser en grande. Voilà. Là, de la route. Voilà. Là on a fait
On a fait une petite route. Ou c'est pas moi qui a fait ça. Oui c'est moi qui a fait, mais quand j'ai créé c'est quand j'ai créé la ville de Ham. Oui c'est moi qui a fait, mais c'est quand j'ai créé la ville de Ham. J'avais fait une petite route comme ça, mais maintenant on peut passer en grande route. Ok. Par là c'est bon. Bon, on va aller s'occuper un petit peu de l'ouest, de la région de Normandie. Oh là. Bon, j'ai détruit un peu à ici. Hop, la direction de Évreux. Merde. Voilà. Entre Rouen et Évreux, pareil. Voilà. Oh, j'ai cru qu'il avait planté. Hein. J'ai eu peur. J'ai eu peur que le jeu avait planté là. Vergisor, pareil. Enfin, même si non, elle est pas reliée à Gisor. Bah attends, on va. Hop. Voilà. Parce que là, sinon, ça n'a pas d'intérêt quoi. Enfin, ça se finit comme ça, c'est même pas relié à Gisor. Ensuite. Ça, c'est bon. La route là qui dans la vraie vie s'appelle la route des fruits, le long de la Seine, qui est super jolie. Il y a encore du bus qui circule là. Ils vont où ces bus? Ah, ils vont à... Ah oui, c'est vrai, ça va jusqu'à Fécamp et tout. Ouais, c'est vrai que Fécamp, bah, va falloir qu'on le rejoigne, va falloir qu'on fasse la ligne de Fécamp. Pareil, il y a encore des voies ferrées à faire aussi, hein. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a énormément de choses à faire. Oh là, Le Havre et Fécamp qui sont en train de fusionner, ok. Ok. C'est un peu le problème, c'est que c'est pas à l'échelle, donc du coup, les villes sont très proches, donc elles finissent par fusionner. C'est un peu chiant, mais bon, faut faire avec. Mais surtout qu'une fois que ça fusionne, après, ça fait des mégalopoles où la circulation dedans, c'est le cauchemar, quoi. C'est le cauchemar dans TPF. Hop, ok, bah la scène maritime c'est fait. On va aller en dans l'heure. Parce que dans l'heure c'est pas encore fait. Hop, je sais pas quelle ville on rejoint. On rejoint Chartres, ok. Hop. On a 32 minutes, on va pas tarder à arrêter hein. On continue un petit peu là, c'est pour Hop, alors ça c'est une route principale, ok. Après, on peut aussi laisser quelques chemins en terre, mais pas les routes principales, quoi. Là, c'est un chemin, donc c'est pour aller vers une industrie, donc on peut le laisser peut-être en terre, mais... Et pareil, là, on a encore aussi d'autres jointures. Deauville, il va falloir le rejoindre via Lisieux. Comme dans la vraie vie. Caen qui s'étend. Par là, ça va où? On va faire... Hop. On voit qu'il y a de la circulation, donc on sait qu'on va rejoindre une ville. Laquelle? Bah, il y a Alençon. Il y a Alençon, et par là, il y a... Alors, dans la vraie vie, il y a une voie rapide qui va par là. Parce que là, on a Avranches, et par là, il y a une voie rapide. Enfin, une autoroute même. Non, c'est même pas une voie rapide, c'est une autoroute. Hop. Et c'est une autoroute gratuite. C'est une des dernières. On en a quelques-unes encore en Normandie, nous, mais... On espère qu'elle le reste. Après, ça, si elle était payante, peut-être que ça ramènerait du monde sur la voie ferrée. Peut-être. Je sais pas trop. Mais... À voir. Je sais pas. Mais je pense pas qu'elle deviendra payante. Parce que comme elle finit en Bretagne, si tu commences à faire ça avec les Bretons... Je pense qu'ils vont pas être contents. Je pense qu'ils risquent de vraiment pas être contents. Si tu commences à jouer à mettre des autoroutes vers la Bretagne. Enfin, il y a quelques autoroutes vers la Bretagne qui sont payantes, mais. Si tu commences à en faire devenir certaines payantes maintenant, là, je pense qu'il risquerait d'y avoir des légers débordements, on va dire. Ah oui, le Paris-Grandville aussi qu'il va falloir faire. Eh, vous voyez, il y a encore tellement de choses à faire. Il y a encore tellement de lignes à faire. Là, vers Rennes, hop. Ce coin de la map, je l'ai tellement pas encore exploité. C'est vraiment ça, c'est de la folie quoi. C'est une map qui est vraiment
Elle est vraiment cool. Cool. Elle est vraiment cool à faire. Et si vous vous dites que celle-là, elle est grande, celle du prochain let's play, vous n'êtes pas prêt. Celle-là, si vous vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus, comme moi je me le dis actuellement, je pense que je suis pas prêt pour celle que j'ai choisie pour le let's play suivant. Je suis vraiment pas prêt, hein. Parce qu'elle est encore plus grande. Vraiment, beaucoup plus. Encore. Enfin, il y a encore plus de choses à faire. Hop. Bon, c'est par là, c'est pas une... Hop, on va rejoindre la ville qui est par là. Hop. Par ici. Ça, c'est du... C'est de la petite... C'est du petit chemin. Vers Laval, hop. On aura fait quand même pas mal, hein, dans cet épisode, hein. On aura fait pas mal de routes, là. Donc c'est plutôt une bonne chose. On aura modernisé pas mal de routes. Donc c'est cool. C'est quasiment sûr que j'en ai encore oublié, hein. Il en reste encore quelques-unes à faire. En même temps, il y a beaucoup de kilomètres, quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Bim, par ici. Il n'y a pas. Par ici, il n'y a pas de grande ville. Il y a une route là. Je pense qu'on va finir par celle là. Je dis ça et je sais que je vais encore continuer. Hein. Je me connais. En plus, ouais, non, elle était courte. Elle était courte. Là, entre les deux villes. Parce qu'en fait, je sais que si j'arrête là, je vais en oublier. Merde, j'ai encore détruit des trucs. Je crois que j'ai détruit une maison. C'est con que ça détruise alors que bah, au final c'est pas... Tu rajoutes juste une route quoi, enfin, tu fais juste une route plus grande. Enfin pas plus grande en plus, non elle est même pas plus large. Du coup là on a Lisieux, ok. Là entre les deux villes c'est bon. Entre ces deux villes là c'est pas bon. Ok, donc là, on peut aller de là à là. Entre les deux villes là c'est pas bon non plus. Voilà, Rennes-Laval. Ensuite. Ouais, non, mais je vais encore continuer, c'est pas possible. Hop. Voilà, jusqu'ici, on arrive à Orléans. Allez, la petite save auto. Toujours au bon moment, toujours quand tu dis, bon, faut que je finisse rapidement le truc. La save auto, toujours, voilà. Hop, voilà. Et ensuite, par là, bah, vers Bourges. Par là, vers Bourges. Hop, l'entrée de Bourges. Ensuite, on a la route. Mince, collision avec quoi? Voilà, ça a déjà été un peu modernisé. Hop. Et là, on arrive à la ville de Nevers. D'ailleurs, oui, il y a encore tellement de villes qui sont pas rejointes par là. Là, on voit qu'il y a du monde entre les deux villes. Mais je crois pas qu'il y ait de train. On va regarder. Enfin, je regarde. Mais je crois que j'avais regardé. Je crois qu'il n'y a pas de train entre les deux. Entre Nevers et Auxerre. Mais Auxerre, pardon. J'ai dit Auxerre. Je sais que c'est pas Auxerre. Je sais que c'est Auxerre. Pas besoin de me le dire dans les coms, je me suis rectifié tout seul. Ok, et par là, bah, on a ici aussi. En fait, je pense qu'on aura déjà fait une bonne partie de la modernisation des routes. Voilà, Vermonte-la-Jolie, hop. Ok, et ok. On a détruit encore un truc, bon. Et ensuite, bah, on est bon, normalement. Ensuite, normalement, c'est pas trop mal. On a modernisé une bonne partie de ce qu'il y avait à moderniser, quoi. Et donc, voilà. Bah, du coup, on va s'arrêter là-dessus. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17h, sauf le... samedi et le mercredi où je ne stream pas.
Mais sinon, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, le lien est en description de la vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.